chers amis téléspectateurs de Red News TV, bonjour. Nous sommes au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou, où nous reçoit Monsieur le ministre Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour, et soyez le bienvenu. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Comment est-ce que vous allez? Très bien, grâce à Dieu. Alors Monsieur le ministre, comment est-ce que vous avez vécu les événements du 30 et du 31 octobre qui ont conduit à la chute de votre ancien collaborateur? Ces événements ont été évidemment très très difficiles pour nous tous. Mais nous étions ce jour-là préoccupés par une sortie heureuse de crise. Parce que de toute façon, notre pays avait longtemps vécu sous tension. Il y avait une tension politique perceptible, politique et sociale. Les événements du 30 et du 31 n'ont été que l'apogée. Donc, pour nous autres, il était important, surtout en ma qualité d'officier de gendarmerie, puisque j'ai dû rejoindre le camp de la gendarmerie, puis les officiers d'état-major, il était impératif de gérer de manière à sortir de crise, à aider notre pays à surmonter cette épreuve extrêmement difficile. Et puis, grâce aux efforts conjugués des uns et des autres, les choses se sont plutôt bien passées, même si c'est vrai. On déplore quelques victimes, mais je veux dire, ça aurait pu être pire. Hein. Et je pense que la mise en place relativement rapide et consensuelle des organes de transition est le signe que les choses se sont plutôt bien passées. Justement, en parlant de transition, M. le ministre, comment est-ce que vous la jugez aujourd'hui? Et avec le recul, quel est le bilan que vous faites de l'ère Compaoré? L'ère Compaoré, c'est tout un programme. Hein. Je pense que 27 ans au pouvoir, il serait difficile, en quelques mots, de donner une appréciation exhaustive de ce qui a été fait. Évidemment, il y a eu du progrès. Le Burkina a connu, sous l'ère Compaoré, un progrès. Et il est dommage que le projet de révision de l'article 37 n'ait pas pu réunir le consensus. Le régime est allé au-delà de ce que peut-être les gens percevaient, et nous avons connu ces incidents malheureux qui ont connu une fin brutale et dramatique du régime du président Compaoré. Il me semble que la transition qui a été mise en place a été dans des conditions extrêmement difficiles, et je peux comprendre qu'il y ait quelques ratés, quelques hésitations. Le plus important, je crois, c'est que les activités socio-économiques du Burkina reprennent dans de bonnes conditions, et que les grandes questions sociales qui ont finalement contribué à ce malaise soient réglées, et que les conditions soient réunies pour aller à des élections apaisé. Je pense que c'est véritablement cela qu'on attend de notre transition. Monsieur le ministre, quel conseil vous donneriez-vous à ces différents chefs d'État, en tout cas qui sont dans une perspective éventuelle de modifier leur constitution pour se maintenir au pouvoir? Moi, je ne me permettrai pas de donner de leçons à qui que ce soit. Si j'ai une recommandation à faire en ce sens, c'est vraiment d'écouter le peuple, d'écouter la jeunesse. Vous savez, dans notre cas, il m'a semblé que nous sommes restés peut-être dans un bras de fer entre dirigeants de la classe politique, s'enfermer dans un bras de fer avec un débat quelquefois un peu subjectif. Et je crois que nous n'avons pas suffisamment écouté le désir profond, les aspirations profondes du peuple. Et c'est ce qui s'est manifesté brutalement, les 28 d'abord, puis les 30 et 31. Avez-vous des nouvelles de M. Bassolé? Oui, je ne l'ai pas vu récemment, mais je pense que ça va. Aux nouvelles, en tout cas, je pense qu'il se porte bien. Parce que, Monsieur le ministre, au début de la crise en Côte d'Ivoire, vous étiez en tout cas l'un des négociateurs. Aujourd'hui, vous pensez que la paix est revenue en Côte d'Ivoire? Oui, il y a pas de recul, quel regard portez-vous sur ce pays en fait? Fort heureusement, la paix est revenue. Le président Alassane Ouattara a été élu dans les conditions difficiles que vous savez, mais enfin, je pense que
Il a aujourd'hui réussi à ramener la paix, la stabilité, la sécurité et surtout la relance économique. Il reste évidemment à réaliser la grande réconciliation nationale. Réconciliation ne voulant pas dire évidemment impunité. Vous avez suivi récemment les différents procès qui s'y sont déroulés. Nous souhaitons que cette justice, justement, mette fin au cycle de vengeance et de violence pour que véritablement la Côte d'Ivoire se stabilise. Et la Côte d'Ivoire va aller à des élections présidentielles cette année. Nous souhaitons qu'elles soient inclusives et que enfin, cette élection consolide la paix et la démocratie. Et le président Ouattara dit qu'en 2015, après les élections, en tout cas, il va modifier l'article 35. Vous lui conseillez quoi? Alors, je n'ai pas entendu ça. Si, il a dit à Saint-Pierre hier. Il va modifier dans quel sens, dans le sens? Oui, pour que l'article 35 permette à tout Ivoirien, parce que l'article disait qu'il fallait être Ivoirien du père et de mère, donc il voulait aller un peu plus loin. Oui, c'est ça. Écoutez, toute modification qui vise à améliorer les conditions de participation des Ivoiriens aux élections, à renforcer la confiance et à renforcer la démocratie, est la bienvenue. Je pense que ce qui est important, c'est que la modification recueille une adhésion des populations et que tout le moins elle se fasse sur des bases consensuelles. Souhaitez-vous, monsieur le ministre, qu'il y ait une justice sur la mort de M. Sankara et de M. Nagasambo? Oui, absolument. Vous savez, j'ai vécu personnellement tous ces douloureux événements et je regrette qu'aujourd'hui encore, elle soit à l'origine de ces événements, ces drames que nous avons vécu, soit à l'origine de tensions sociales et politiques. Tant qu'il n'y aura pas de justice, évidemment, nous ne pourrons pas aspirer à une véritable stabilité. C'est la raison pour laquelle, il me semble, sans exagérer, sans protéger qui que ce soit, mais sans non plus harceler qui que ce soit, il me semble que nous devrions donner suffisamment de moyens et d'indépendance à notre justice pour qu'elle puisse tirer au clair ces dossiers-là, une bonne fois pour toutes. Que les auteurs soient connus, identifiés, sanctionnés selon la loi et que les Burkinabés se réconcilient sur cette base-là. Monsieur le ministre, vous pensez que le RSP a encore un rôle à jouer? Ah oui, le RSP a un rôle à jouer. Vous savez, moi je ne suis pas de ceux qui jettent la pierre sur une institution de cette nature. J'entends ça et là que le RSP doit être dissous. Étant moi-même officier de l'armée, je sais que dissoudre un régiment de cette importance qui a joué un rôle extrêmement important dans la stabilité, la question de défense et de sécurité de notre pays, n'est pas techniquement aisé à faire déjà. Donc, il me semble que dans le contexte régional aujourd'hui d'insécurité qui est le nôtre, nous devrions pouvoir garder intactes nos forces de défense et de sécurité avec un bon moral. Hein. Il y a bien sûr des précautions à prendre. Le RSP ne devrait pas gêner le bon fonctionnement des institutions républicaines. Toute l'armée d'ailleurs doit se comporter en tout comme une armée républicaine, c'est clair. Mais de là à s'acharner sur un corps de notre armée, je ne vois vraiment pas l'utilité. Si c'est la mission de protection du président du Faso, je ne crois pas que le RSP était une armée clanique ou une armée taillé sur mesure. C'est une de nos... C'est ce que Dukan dit, monsieur. C'est ce que Dukan dit, mais moi je ne le crois pas. C'est une institution taillée sur mesure. On a bien vu d'ailleurs que dans la gestion des événements des 30 et 31, le RSP s'est globalement bien comporté, a protégé les institutions, joué son rôle avec beaucoup de clairvoyance. Bon,
aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui méritent, je crois, d'être accompagnés. Encore une fois, comme je l'ai dit, par rapport aux aspects spécifiques de leur mission de sécurité, nous avons vraiment intérêt à les rassurer et à opérer les réformes nécessaires sans que ces hommes et ces femmes-là ne se sentent mis au banc des accusés. Monsieur le ministre, pensez-vous que les 12 mois que s'est donné la transition pour organiser les élections en octobre est un délai tenable? Ben déjà, je crois que c'est la Commission nationale d'organisation qui organise les élections et tout était planifié. Et comme de toute façon, les élections devraient se tenir à la fin de cette année, il me semble qu'en termes de timing, on devrait pouvoir être dans les délais, hein, si les provisions budgétaires sont suffisantes. Mais ce qui est le plus important, je crois, c'est d'aller à des élections apaisées, dans un environnement apaisé et réconcilié. Pour ça, évidemment, tous les acteurs doivent y travailler. Ce n'est pas simplement la CENI qui veille aux aspects organisationnels, mais tous les acteurs de la société civile, de la classe politique, doivent travailler à créer cet environnement qui permet d'aller à des élections libres, transparentes et qui mettent un terme à cette transition. En tout cas, il y a eu une altercation entre le ministre de l'administration du territoire de Burkina Faso et les Ivoiriens de l'étranger, enfin les Burkinabés de l'étranger qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà, vous pensez que, quel est votre sentiment réel sur le vote des Burkinabés à l'étranger? Oui, moi, déjà en tant que ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, je dois dire que j'ai particulièrement, personnellement, travaillé sur ce dossier. J'ai souhaité de tout cœur, comme d'ailleurs la loi le prescrivait, que les Burkinabés de l'étranger puissent enfin voter. Ce sont des Burkinabés dont nous attendons beaucoup, qui contribuent beaucoup au développement de leur pays d'origine. Nous avons mis en place un programme qui leur permette de contribuer et d'être plus visibles, et il était tout à fait normal qu'ils aient leur mot à dire dans la vie politique de leur pays. Mais même si techniquement, je veux dire, il y avait des difficultés à les associer, parce que je ne dis pas que c'est une opération simple, il aurait fallu, je crois, leur expliquer avant toute décision, expliquer que peut-être le vote des Burkinabés de l'étranger pourrait augmenter les coûts de cette élection et pourrait peut-être prolonger le délai de la transition. Mais enfin, nous prenons les décisions, je crois, sur des bases consensuelles. C'est peut-être ce qui a manqué, mais s'il y a une possibilité quelconque que les Burkinabés de l'étranger puissent voter, personnellement, je serais plutôt en faveur de cette option. Et sur l'altercation qui a eu lieu? C'est regrettable. C'est regrettable que nous donnions ce spectacle navrant et désolant à l'extérieur, mais je peux comprendre que quelques jeunes gens excédés puissent dire de manière un peu brutale ce qu'ils pensent. Il est heureux qu'il n'y ait pas eu d'incident, je veux dire, il n'y a pas eu d'affrontement. La rencontre s'est mal terminée, mais il n'y a pas eu de dégâts physiques et matériels. Quel est, monsieur le ministre, l'avenir politique qui vous attend? Serez-vous candidat aux élections de octobre 2015? Bonne question, hein. Je me prépare à répondre à cette question. Vous savez que les jeunes de mon pays m'ont sollicité, l'ont fait savoir. Je suis en contact avec eux le moment venu. Je vous conviendrai d'ailleurs pour que vous puissiez entendre le message que je vais délivrer aux jeunes de mon pays à ce sujet. Vous allez créer un parti politique ou alors vous allez vous présenter en tant que candidat indépendant? Ben, je suis si jamais vous devez être candidat. Si je devais être candidat, je solliciterais le soutien, l'accompagnement de formations politiques, de partis politiques, et les discussions d'ailleurs sont en cours. Si, pas de salaire, mais en tout cas, si vous devenez le président du Burkina Faso, quelle serait la première décision que vous allez prendre en tant que président de la République? Déjà de créer les conditions pour que les jeunes Burkinabés soient employés, qu'ils aient du travail. C'est le thème du forum que j'ai tenu récemment, auquel j'ai assisté.
L'employabilité des jeunes me semble être la question la plus essentielle et celle sur laquelle tout gouvernant devrait se prononcer. Parce que nous avons près de 140 à 160 000 jeunes qui arrivent tous les ans sur le marché de l'emploi sans avoir la possibilité d'avoir un travail formel, d'avoir un travail rémunérateur. Il faut bien que nous puissions donner des réponses à ces questions-là. C'est très probablement ce manque d'espérance des jeunes qui amène les troubles à répétition. Parce que les événements des 30 et 31 s'inscrivent dans la liste d'un certain nombre de manifestations de mécontentement, de manifestations violentes de rue que nous avons connues ici. Il faut absolument que les jeunes du Burkina Faso aient plus de perspectives d'avenir. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci d'avoir reçu en tout cas chez vous Event News TV. Merci en tout cas et bonne chance. C'est moi qui vous remercie et à très bientôt probablement. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci. Amis téléspectateurs d'Event News TV, nous étions avec l'ex-ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, M. Guibé Bassolé. Merci beaucoup et à une autre fois pour notre émission. À très bientôt. Au revoir.